T'as vraiment des échanges dont la majorité des cavaliers ne sont même pas conscients. Je l'ai pas vu venir, en fait, ce projet, dans ma vie. Au plus longtemps et au plus profond de moi, j'ai toujours voulu être avec des animaux et faire quelque chose comme ça, et ben, j'y suis. C'est la justesse de moment présent, vécu avec l'animal, qui fait cette relation et qui fait la médiation animale pour moi. J'avais un des grands-parents qui était en maison de retraite et j'avais des personnes handicapées dans ma famille qui n'avaient pas l'accès à cette chose-là. Et donc on a vraiment lancé la ferme au départ qu'en itinérance pour ça, parce qu'on voulait aller à la rencontre de tous ces gens qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas la possibilité de... Tous les humains ont ce lien à l'animal, plus ou moins caché, plus ou moins exprimé. Mon travail, moi, c'est d'avoir des animaux et de comprendre pour les emmener vers les personnes qui ont le plus de besoin envers cet animal-là. Il y a des animaux qui sont très câlins et qui vont aller vers des personnes très introverties et ça va marcher très bien parce qu'on va avoir une ouverture de la personne. Il y a des animaux qui sont très joueurs et si j'arrive à comprendre ça, je peux les mettre avec des enfants qui ont des troubles autistiques, par exemple, et qui vont avoir besoin, eux, de se dépenser. Le psychiatre va travailler sur ce que le patient a besoin. Il connaît des clés pour aller vers ces différentes pathologies. Je connais les clés, je ne veux pas soigner les pathologies. Je veux juste apporter les clés pour que les gens travaillent sur eux-mêmes à ce niveau-là. Et Obama, tu donnes la patte, toi. Tu me fais pousser par pantoufle. J'ai été enseignante d'équitation pendant un certain nombre d'années. J'ai souhaité quitter le monde du cheval pour différentes raisons. Je ne retrouvais pas toujours le respect du cheval. Il y a encore, mais les idées évoluent, une sélection beaucoup par le fric. Le cheval était souvent à faire valoir pour gagner des concours. Et après, on le mettait dans le box et on n'avait pas plus de relations avec lui. Là, je ne joue pas du tout à la même chose. L'équitien, il est là pour permettre à la relation entre le cheval et la personne de s'établir. Notre boulot, c'est ça. Et après, on observe ce qui se passe entre la personne et le cheval et on voit un million de choses.
un cheval, le lundi, il va avoir telle attitude, le mardi, ça va pas être le même cheval, parce que la personne en face sera pas la même personne, si tu veux. Ah, ma fille. Non, ma belle. Nous, on a eu des séances où avec mes stagiaires, ou les accompagnants, les éducs ou les parents, où on avait les larmes aux yeux. Quelqu'un comme Fabrice, qui avait de l'appréhension les premières fois, hein, c'est normal. Et puis là, ça va de mieux en mieux. Et il a vraiment envie de continuer. Un chien. La première fois qu'ils sont venus en visite, on a fait le tour des prés, il faisait beau. Hein. Et on a vu les yeux de Fabrice s'illuminer. Il a vécu en famille d'accueil, en ferme. Donc il connaît les animaux, il aime les animaux, il adore. Hein. Mais lui, il va aussi s'occuper des oies, par exemple. Il sait faire plein de choses. Il se repère très bien, il m'aide. Et puis Fabrice, c'est un vrai bonheur parce qu'il a toujours la banane, il est souriant, il est bien, il est... Et voilà. Est-ce qu'il est doux, ce poney? Oui, il est doux. Oh oui, il est doux. Il est doux. Vous avez vu ces drôles de pieds? Regardez ses pieds. On a tous, en tant qu'être humain, cet attrait, cette part de nous qui va vers l'animal. La relation à l'animal, elle existe et elle est multiple. Elle peut être dans une forme de distance, comme elle peut être dans une forme de domination, comme elle peut être dans une forme d'interprétation. Il peut y avoir une idéalisation, il peut y avoir un rejet, il peut y avoir... Mais ça ne laisse pas indifférent. Ça, c'est sûr. Toujours. Et donc, cette relation à l'animal, elle peut toujours être questionnée. Et ça permet de mieux comprendre qui on est, cette relation-là. Je me rappelle d'une séance, la première séance qu'on a faite là-bas avec les cochons d'Inde et les lapins, d'un enfant qui n'a pas voulu caresser les lapins et les cochons d'Inde pendant au moins 20 minutes. Il n'y a que après où il a commencé, après par mimétisme avec les copains, par tout ça, a commencé à caresser les animaux. Et la séance d'après n'a mis que 10 minutes à retourner voir les animaux, et la séance d'après c'était fini. La première séance, elle est juste très très grande.
Souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, et donc plus on va apprendre à le connaître et à l'apprécier, à passer du temps avec, moins on en aura peur. On peut travailler aussi sur la patience. Les animaux apprennent la patience. On ne peut pas tout avoir tout de suite des animaux. La brebis, le bélier et l'agneau. Le bébé agneau. Il n'y a plus rien, tu vois. Il n'y a plus de graines. La personne qu'on connaît moins bien, c'est soi, je crois, à travers le... quand on évolue. Et donc, ça, les animaux nous renvoient à nous-mêmes une part de nous. Et voilà, donc c'est ça qui est... que j'aime. En tout cas, moi, j'aime travailler. Oui, c'est le petit chien. C'est bon, tu vas refaire un bon câlin. On fait un dernier au revoir à l'autre lapin. Au revoir, petit lapin, à bientôt. Tu fais le tour et puis tu t'approches doucement. Sans trop plus, je ne peux pas lui faire trop peur. Petit câlin, c'est tout à fait bien. Alors, j'ai dû mettre le surfait, t'as dit, hein? Voilà. Mais montre-lui le podestre. Allez, viens. Tu l'appelles. Viens, bête. Voilà, reste tranquille. Voilà, laisse-la monter. Laisse-la monter. Lève ta casserole pour lui donner, pour qu'elle lève la tête. Voilà. J'ai aussi fait une spécialisation en posturologie et je m'en sers finalement au quotidien parce que la posture d'une personne dépend de tout un tas d'éléments et dépend aussi de son état émotionnel. Donc à travers de la posture d'une personne, on peut savoir plein de choses sur elle finalement. Et les premières mises à cheval compliquées quand même. J'ai failli le récupérer dans les bras tellement il penchait. Je l'ai récupéré dans les bras. Là, je ne sais pas les dernières séances auxquelles tu as assisté, il était droit comme un il y a. Si on est ce matin, ils savent déjà marcher. Alors c'est encore un peu ititube, hein, mais ils marchent. On sent qu'ils sont pas encore à l'aise sur leurs pattes. Je m'appelle Yacine, j'ai 15 ans. Dans la vraie réalité, je préfère le foot, jouer avec mes amis, rigoler, enfin faire un peu de tout n'importe quoi. C'est-à-dire pas des bêtises, c'est-à-dire n'importe quoi positif. C'est-à-dire faire du n'importe quoi, mais en positif. C'est-à-dire rigoler, s'amuser, etc., etc. N'importe animal, quand je vois dans la rue, je vais le voir. Par contre, les chiens comme ça, ce race de chien, moi, je voudrais pas en avoir trois. Parce que trois comme ça, c'est-à-dire ils ont trois frères jumeaux. C'est bien.
C'est bien, mon Tyrion. Moi, avant, j'aimais pas trop les cochons. Parce que je me suis dit, est-ce qu'ils vont m'attaquer, est-ce qu'ils vont me mordre, est-ce qu'ils vont me sauter dessus. Trotter. En fait, j'avais peur plus des lapins, plus des poules. J'étais pas timide, mais j'étais un peu suspect. Un peu suspect pour caresser les animaux. Mais après, c'est du passé. Ouais, en attendant, Yacine, moi, je te félicite parce que par rapport au début de l'année, t'as vachement progressé. Au départ, tu n'osais pas du tout t'approcher des animaux, puis petit à petit, tu t'es approché d'eux. Maintenant, tu les touches, tu les caresses, tu t'occupes d'eux. Et ça, c'est super. Et là, avec les ânes, aujourd'hui, t'as très bien bossé. Voilà. Hein. Tu te rends compte, en 6 mois, comment t'as évolué ? Quelqu'un qui avait très peur des animaux, et bien maintenant, tu es capable de t'en occuper tout seul. Et bien ça, c'est très bien. Ouais. Hop. Obélix. Allez, viens, garçon. Ça, c'est pas de la chèvre heureuse. Hop. Happy. Oui, c'est bien, ma belle. Allez, c'est bien, mon Yogi. Allez, pom, oui. Moi, j'ai pas de préférence, j'aime tout. Mais le seul truc que j'ai plus aimé, c'est la calèche. Salut. Ils m'ont mis juste un cocktail et je suis bien. Comment je suis dans la calèche? Moi, j'ai l'impression de me croire dans un pays très spécial. Vous vous rappelez quand on parlait de faune sauvage, on parlait de coulée. Regardez la belle coulée là, des animaux sauvages. Une autoroute à lapins. Une autoroute à chevreuil, blaireaux, cerfs. On leur permet d'avoir un regard un peu différent sur ce qu'ils peuvent vivre. Cette année, par exemple, on a fait avec eux un suivi d'un bébé pigeon qu'on a observé quasiment l'œuf, puis le petit pigeon, puis une fois par semaine, on est venu reprendre des photos, puis on l'a vu grandir, on l'a vu prendre les ailes. Du coup, on l'a bagué pour pouvoir le repérer au milieu des pigeons adultes. Et après, il y a aussi l'appréhension de son environnement et donc des balades nature. Eh bien, regardez, là, il y a un gros, si on s'écarte un petit peu, il y a un gros trou qui est en train de se perdre. Savoir observer un trou de pique, savoir observer la chouette, savoir voir les coulées, les endroits où les animaux se baladent. Hop, une pelote de réjection. Un petit crâne d'une petite souris. La chouette, elle a mangé les souris dans la nuit. Et comme elle ne peut pas manger ni les os ni le poil, eh ben elle recrache une boule avec à l'intérieur tous les os et tout le poil. Pour eux, et on s'évide dans la nature alors qu'en fait il y a plein de vie. Donc c'est comprendre un peu ces équilibres-là qui est, voilà, sur les traces sur les arbres de certains insectes. Pourquoi il y a ces traces? Qu'est-ce que c'est que ce dessin? Essayer de se poser des questions pour aller plus loin que le fait juste de voir. Et c'est ce que j'aime, moi, faire dans ma vie courante, en fait. Donc je ne fais qu'expliquer ce que j'aime voir et ce que j'aime vivre. Donc, tu respires et tu souris, c'est parfait. Allez, on y va. Tu te tiens bien droit. Bien, reviens, reste parmi nous, Fabrice. Hein. Reviens un peu par ici. Voilà. Tiens-toi bien droit, Fabrice. Ouais, c'est bien ça. Ok, un bras,
Ouais. Qui dame? L'autre bras. Très bien. Ouais, bravo Fabrice. Et on s'accroche. Tu reprends tes poignets, attention, on tourne et on s'arrête. Ouais, pas mal du tout. Fabrice, il est prêt à galoper. Voilà, après c'est moi, hein. Je veux pas aller trop vite, je veux surtout pas qu'il ait peur. Mais ça va se faire là. Dans ces séances-là, j'insiste toujours sur le contact, la relation. Je ne me limite pas à ce que le cheval soit un vélo, un truc, un support mécanique. Hein. C'est, tu le caresses, tu lui dis merci. Tiens. C'est des carottes sauvages, ça, c'est bon. Tu l'as pas entendu chanter, Fabrice? C'est extra... Il faudra... Mais ça, il l'a toujours fait. Il va chez Velt et puis... C'est une espèce de mélopée, tu sais. C'est... Je sais pas comment il fait ça. Je trouve ça génial. La belle. Tu vas lui faire un bisou? Un bisou. Ils sont là, viens là. Content. Peggy. Allez. Peggy. Allez, viens. C'est bien, ma belle. Allez, viens, mon Peggy. Je suis complètement épanoui dans ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai cet équilibre entre le travail à la ferme qui est quand même très dur. C'est fatigant, mais tellement, en tout cas pour moi, riche de sens. Enfin, je fais quelque chose qui a un but. Je fais du savoir et je fais du partage. Et pour moi, c'est la base d'un nouvel élan que j'aimerais pour le futur de notre vie à tous. Bonjour à tous. Hop là. J'en avais jamais vu. Ok, super. C'est super, j'en ai eu un quand j'étais gamine. Quand même qu'on l'a vu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sanglier? Non, mais c'est pas vrai. C'est un moitié sanglier, moitié cochon. On va retourner un peu par là. Mais elle connaît son maître. Oh, allez, viens, Obama, viens. Comme vous dites. Elle vous connaît mieux que vous que nous. Moi, je suis jalouse. Je crois qu'il veut sauter. T'en as pris? Ah oui, la vidéo. Il veut s'en aller. Voilà, vu les chaleurs, on va leur mettre accès à l'eau. Madame Delage, elle est prête à l'embarquer. Et on le voit, il dépasse. Il est trop beau. Il est bien avec vous, je crois. C'est pour ça qu'on a donné le nom de la ferme d'Yvonne. Un souvenir de mon arrière-grand-mère. Bah ouais. Tu es sur ma chambre. Tu vas pas bien.
C'est pas mal. Attention, parce que ça, ça mord. Je sais comment les attraper, mais je mets aussi la main. Un petit blanc. Tu veux l'autre patte, Oui. Oui, on voit ça. J'adore les bêtes. Oui. Vous aviez peur qu'il fasse tomber? Et alors, j'adore les bêtes. Ah, vous voyez, hein, les chèvres, elles sont quand même très délicates. Elles font croire comme ça des fois qu'elles sont un peu brunes. Hein? C'était mignon. Oh là, elle va finir par manger à force de pisser comme ça. Je t'aime beaucoup. Vous pouvez le demander en mariage. Mais c'est mignon ça. Il va pas se transformer en prince, maman Talétan. Non, d'accord. Mais il est mignon comme tout. J'adore. Non, mais là, je crois que c'est réciproque. Ah bon? Il a l'air bien avec vous, il ferme à moitié les yeux. Regardez ce que vous avez de joli là aussi. Il va falloir que je me prenne parce que ça va.